Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mirror's Edge, Catalyst. Oui, on commence en action. C'est pas grave. Au revoir. Alors je n'irai jamais aux terres grises. Il m'en parle, mais ça sert à rien. Ok. Intéressant. Le jeu où si tu envoies des mecs dans leurs potes, ils meurent. Voilà. Ah, je suis mort parce que j'ai bousculé mon pote. Qu'est-ce que vous foutez là, les mecs? Qu'est-ce que vous foutiez dans le coin? Vous étiez en train de vous tirer la pine, hein, c'est ça? Le petit coquin. Ça va? Ah, voilà pourquoi il faut pas faire des barrières trop grandes. Après, on se coince la tête, les mecs. Hein. J'appuie sur F 20 fois en venant. Enfin. Y'a rien d'autre? Ah ouais, non, y'a rien d'autre. Vous avez vraiment kidnappé Isabelle? Arrêtez-vous. Non, pas moi. Avec ça, Kruger devrait picher le message. Par contre, il faudrait partir avant l'arrivée des renforts, Faith. C'est pas grave, je leur pète la gueule. Comme d'hab. Bonjour. Attendez pas du tout à ce que vous soyez là, les mecs. Je fais une glissade d'un coup et c'est bon. Ça les one shot. Ouh, dans les... What the fuck? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pas compris, mais c'était badass. Oh putain! Il y a des moments. J'ai attention un peu. Hein. Oh putain. Là, dans un bon jeu, t'aurais pu monter l'échelle depuis ce côté. Puis on aurait fait le tour. Tu vois? Genre un one shot, genre. Wouh! Je passe sur le bord. Mais bon, le jeu n'est pas si bon que ça. Je sais plus d'ailleurs dans quel jeu tu fais ça. Oups! Je me rends compte que j'ai oublié de relancer le timer. J'ai quelques informations pour toi. Et c'est gratuit. Gratuit? Ah bah je crois. Regrettable qu'il soit, le décès de Noah a été largement exagéré. Quoi? Parce qu'il est pas mort. Je ne peux rien confirmer. Et s'il est en vie...
sec là sûrement. Oh putain, j'ai 2 points. Comment je les ai obtenus? Comment ça? Et bon ça. Ça, je vous pèterai tellement plus facilement la gueule. Alors que je les ai même pas encore combattus. Il n'est pas mort! Quelle utilité ils ont de le garder en vie? Non, parce que Monsieur Neutralité, je suis pas sûr qu'il vous apportera beaucoup d'informations, les mecs. Hein. Genre du tout. Alors, où allons-nous? À la maison d'un, là, arbre. Ok, nous allons en dessous. Oup! Mais ta gueule. Mais non, mais chut. Hey, oh. Ouh. Hey, attends, il y a des gens. Coucou. Je mets mes genoux où je veux et c'est souvent dans la gueule, ok. Voilà. Bonjour. Heureusement qu'ils sont aveugles. Bon, du coup, par contre, j'ai fait le con. Donc, il faut que je fuis. Voilà. Voilà. Je suis déjà venu ici. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de revenir ici. Ah! Non, c'est un peu le chef. Ouais, mais c'est Monsieur Neutre. Il connaît tant de trucs que ça, est-il? Ok, autant pour moi. Je l'ai mal jugé. Il m'a jugé mon petit Yannick. Chut. On s'enfuit. L'ascenseur? Prends l'ascenseur. Genre, je peux pas l'utiliser. Ça pique un peu les yeux, hein, quand même. J'ai gagné. J'ai gagné. Donc, comme je disais, souterrain. C'est là que je dois aller ensuite. Donc. Nage rapide. Parce que les courses, j'en ai déjà fait quelques-unes, j'ai compris le principe, j'ai compris que j'étais nul à ça. Donc je vais arrêter de les faire. Par contre, toutes les autres missions secondaires, je te les fais sans problème, le jeu. Il n'y a pas de souci. Merci. Ouais, tu veux que je dévive quoi? Un ami de l'une des autres cellules. Rebecca n'est pas au courant. Une petite... Quoi? Une petite quoi? Quoi? Je sais qu'elle adore en jouer. Flûte? D'accord. J'espère que c'est par là, hein. Parce que j'en sais rien. Oh, mais cours! Oui, bon, humainement, c'était pas possible de faire une course murale comme ça.
Fais les courses avec le sang urbain, ça t'aidera. Ouais, bon, fuck it. Annuler. Oui. Non, je me suis dit sans le sang urbain. Je préfère comme ça. Elle est où cette mission? Bon, tu fais chier le jeu là. Tu me l'indiques ta mission? Merci. Parce que je croyais que j'étais encore dans sa mission à lui. Et quoi? Oh putain, faut faire un tour. Prisonnier X. Slash ma sœur. Mais bon, on ne nous l'a pas encore révélé, alors... Chut, c'est un secret. Même si c'est putain d'obvious. Encore toi, laisse-toi. Oh, ça change rien. Bientôt, tu seras morte. Mon père va tout raser ici. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa fille, hein? Toi, tu feras un bon cadre exec. Si tu le dis, tu veux quoi? Mes amis, ils sont pas tous morts. Bah, c'est tout comme... Tu les reverras jamais. Où sont-ils? Parce qu'ils ont été exilés en terre grise. Il a très envie de voilà. Parler, j'imagine. Mais je t'ai posé une question. Si tes infos tiennent la route, je te ferai sortir d'ici. Je sais pas où ils sont. Il faut passer par le serveur KrugerSec pour accéder au registre. Bref, bonne chance. La chance, ça me connaît. Plastic? Tu peux m'aider à rentrer dans le QG de Kasek? Il faut que j'accède à leur registre. Le QG de Kasek? Les docs? Mais bien sûr. Alors allons-y. Genre ils ont récupéré un casque comme ça? Là ah, mais en fait, y a pas de casque. Ok, bon. On doit se revoir. Hein. Peut-être en vie. Hein? Quoi? Mais quand? Je suis en train de vérifier. Quand? Sinon... Ta question c'est quand? Ma question c'était comment? La ferme. J'essaie d'expliquer la mission au petit nouveau. Alors, viens, bourgeois, George Gordon, le seul et unique. J'ai une mission spéciale pour toi. C'est quoi ça? Tu parles comme ça? Ouais, tu parles pas comme ça. Je te jure. Plus ressemblant que quand tu pilles. Vous la fermez, tous les deux. Quoi? D'après Gabi, les cheveux qui flottent, ça fait gonzesse. Alors ça, il a bien raison. Donc, je vais lui donner une fixation béton. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette conversation bizarre que je viens de choper? Attends, non mais je veux relire ça, relis-moi ça. On l'a pas fini. Enregistrement. Non mais continue de le lire, putain du con! Oh bon, on va te faire foutre le jeu. Ça avait l'air marrant. Tu me déçois. Donc, je dois aller là-bas. Il n'y a pas de mission secondaire? Nope. Donc, ben, on se barre là-bas. Voilà. Ah, mais oui, supprime l'étape parce que je voulais. Bon, ici je peux. Oui, ici je peux. Il reste plus beaucoup de missions principales à accomplir. Ah bon? On est à ce point-là proche de la fin? Bon, ça m'étonnerait pas, mais bon. Ah, c'est cool. En contactant G2A anglais, ils m'ont enfin donné une réponse plutôt que de lock mon ticket comme d'habitude. Et le contenu est tellement intéressant.
J'allais où? Et voilà. Tout droit? Ah ouais, tout droit. Tu le savais, toi, que réflexion est un fluide que l'on injecte? C'est plein de nanites qui se mélangent à l'organisme. Ça te connecte au grid en permanence. C'est ça qu'ils entendent par ne faites qu'un avec le grid. Après étalonnage, ça régule aussi ta santé et ton stress. Les gens n'y arrivent plus tout seuls. En gros, c'est une drogue qui te transforme en zombie, quoi. Les docks sont plus surveillés que chez WFYO. Détecteurs plurispectraux, système de défense semi-autonome, la totale. Ils sont même équipés d'une espèce de mini. Ça se dit plurispectraux. Franchement. Sur Kruger Sec. Moi, si j'avais les moyens, je le ferais. Par ici, Faith. Non. Parce que ces petites missions, elles sont incroyablement hardcore et j'en ai marre. Oh, mais accroche-toi, un jour. Wow, tu crois qu'il me reste encore 4 missions? Merde, il court le jeu. Bon, heureusement que j'ai eu pour pas cher, hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit en solde sur Origin au moment où je me suis dit j'ai envie de le tester. J'ai cette chance des fois. Puis des fois j'ai pas de chance aussi. Alors une fois j'avais acheté Fear 2 sur Steam. À une époque où mon PC le faisait pas tourner. Et vous savez la meilleure? Ah. Au moment où je l'ai acheté, je pouvais pas le faire tourner. Ça, c'est drôle, en soi. Mais le jour après que je l'ai acheté, le jeu, il était en solde. Enfin non, il était pas en solde, il avait baissé le prix définitivement. Donc, il y avait pas encore les remboursements sur Steam, donc je l'avais un petit peu beaucoup dans le cul. Mais bon, vous en faites pas, le système de remboursement, par la suite, j'en ai profité, hein. Parce que je m'étais payé un jeu que je me disais... ça a l'air d'être de la merde, mais ça a l'air d'être mon genre de merde. Est-ce que c'est mon genre de merde? Je me suis acheté, je me suis rendu compte que c'était pas mon genre de merde. Et ensuite, je l'ai réobtenu dans un bundle, ce même jeu. Donc je me suis dit, bah, cette fois, de toute façon, je suis obligé de le garder. Bon, par contre, pourquoi je... Ah, oui. Oui. Quelque chose me dit que je dois pas venir là. Ça me dit rien pourtant cet endroit, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu... Oh, elle va trop loin. Le jeu est court mais plus long que le premier. Ah, je sais pas. Non mais pourquoi tu continues de faire ça? Pourquoi je continue de faire ça moi? Qu'est-ce que je viens de faire? Comment je vais descendre en fait le jeu? Oh mais ça passe là, merde! Donc je fais quoi maintenant que je suis là? Un bridge? Là, on est bon. On est bon.
Bon, comment je vais aller là où je veux aller en fait? Parce que. Oh putain, t'es sérieux? Non, mais attends, non, ça passe pas. Y'a pas moyen. Parce que là, c'est la planque d'où je viens. Qui me mène dans ce bâtiment. Ce bâtiment n'a aucun accès par rapport à là. Pour avoir accès ici, il faut venir puis là. Tu peux pas te faire un voyage rapide, toi, bien sûr que non. C'est trop drôle. Mais comment j'y vais? Parce que là, je peux pas faire un voyage rapide. Oui, je peux pas faire un voyage rapide. Là, je peux pas faire un voyage rapide. Mais là, oui. Donc, comment je vais là? Y'a un truc en dessous? Non, y'a rien en dessous en plus. Comment je viens ici? Si on regarde les bâtiments juste ici, là, c'est même écrit dessus. Oh, c'est beau ça! Si on regarde ce bâtiment là. Là il y a un truc où on pourrait grimper au bâtiment, c'est sûr. Mais en soi, il n'y a pas moyen d'arriver à cette zone. C'est pas possible. Comment je fais? C'est quoi ça? Valise pulse, on s'en fout. Mais tellement. Là du coup, je suis perdu. Le jeu, tu m'as perdu. C'est quoi ces kits d'évolution? Un kit d'évolution à cette planque. On va faire un petit voyage rapide. Ouais, je suis totalement perdu. Je vois pas comment on arrive là-bas en fait. En tout cas, en regardant la map, il n'y a aucune indication, ça c'est sûr. La map ne te dit rien qui puisse t'expliquer comment on y va. C'est ça les kits. Ah d'accord, faut aller sur un site pour... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou alors je peux t'aider à une application si j'en ai vraiment envie. Je trouve que c'est fun. Mais bon, comment je vais? Là! Je veux aller là, moi, je... Mais je peux pas faire un voyage rapide ici. Bon, tu désélectionnes? Merci. Parce que... J'ai raté le green note à proximité. Puis là, je peux pas parce que... Pirater le green node à proximité. Mais il n'y a aucun green node à proximité. Comment je fais? Je peux de toute évidence pas y accéder depuis ici. Puis cette zone-là, je peux pas. Indice, le grappin, loul. Ah, tu penses qu'il y aurait peut-être un moyen d'accéder à cette zone-là, juste là, via un grappin depuis ici? Bon, ça me paraît un grand saut quand même, hein. Mais c'est pas impossible, remarque. On y retourne. Je vois rien, le jeu, je vois rien. Non, c'est pas par là. Ce serait plus de là où je suis, à ma droite. Faudrait que je trouve un truc grappin à ma droite, nous dit Monsieur Light Day. C'est vrai que ça me paraît logique. Je sais pas, je connais pas la ville par cœur. C'est une hypothèse.
Bah c'est une bonne hypothèse, hein, remarque. Aïe! Mais arrête de te casser la figure! Le pire, c'est qu'il se casse pas vraiment la figure, regardez sa vie. Vous allez bien, les mecs? Je vous emmerde pas, j'espère. Face, c'est quand tu veux, hein? Bon, elle veut pas. Ça passe? Ça passe. Retourner dans... J'en fous royalement. Donc... Où sommes-nous? Est-ce que nous y sommes? Nous n'y sommes pas encore. Continuons tout droit. Toujours tout droit. C'est parti, mon kiki. Non mais saute là-dessus par contre. Heureusement qu'il y a un artiste qui était vraiment à la folie des blocs. De toute évidence le même qu'a fait Minecraft, hein, et qui s'est dit je vais mettre des blocs partout dans ma ville moi. Ça va être beau bordel. Ouais non, c'est pas possible de passer par là. Par contre... Non, c'est pas possible. Y a pas moyen. Je sais pas comment je suis censé aller là-bas, en fait. Ça a l'air dangereux, ici. Ouhihi! Ça me rappelle la musique de l'Eurosat, pour ceux qui sont allés à Europa Park. Il est un très bon Disney au rabais, franchement. D'ailleurs, on m'a toujours dit, si tu dois choisir entre Disneyland Paris et Europa Park, choisis Europa Park. Parce que Disneyland Paris, c'est de la merde. Tu as meilleur temps d'aller à Disney World. C'est beaucoup mieux. Donc sachez-le, les enfants. Si un jour on vous dit, on va à Disneyland, vous leur dites, non, on va à Europa Park. Et si on vous dit, on va à Disney World, là, vous dites, ok. Ok, respect. Aïe! Ouais! Une petite gueule. Comment je vais y arriver? Attends, Kasek, fin de l'alerte, il y a une alerte? À quel moment il y a une alerte? J'ai même pas fait gaffe. Il y a une alerte? Active le sens urbain. Jamais, il est désactivé. J'activerai pas le sens urbain. C'est du shit. Le jeu est déjà assez facile. Il n'y a pas besoin du sens urbain. Dit le mec perdu. Attends, mais c'est pas possible en fait.
Je vais aller genre là-bas. C'est une autre zone, il n'y a pas moyen d'y aller depuis cette zone en fait. Je suis en train de regarder. Donc il faut trouver un autre truc. De toute évidence, ce sera pas un... Ce ne sera pas... on va le trouver. C'est peut-être par les souterrains, en fait, tout connement. Vraiment. Si ça se trouve, il y a d'autres sorties. Allons au QG. Go. Peut-être que je ne s'attends pas à ce que j'utilise les voyages rapides. C'est pas impossible, ça. Donc. On remonte. On est un petit peu à l'autre bout de la ville, donc ça m'étonnerait quand même beaucoup, mais définissons l'étape. Voilà. Voilà. Peut-être par là, je suis jamais passé par ici. Putain, il y a 6 personnes qui nous regardent. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Quand même. Il y a un truc. Ok, Tristan. Le brouilleur est activé. Ils entendront peut-être ce qu'on dit, mais ils ne peuvent pas nous localiser. Magnifique. On a combien de temps? Quelques minutes. Le brouilleur nous prévient si on nous localise. C'est nouveau. C'est une jeune fille d'Encore qui l'a conçue, mais il m'a fallu un intermédiaire. Elle voulait pas prêter directement. Le cassette est déployé sur les toits en ce moment. À mon avis, elle a pas envie de se faire remarquer. On la reverra. À propos d'agitation, les informations de la mission à Elysium. Quelqu'un est entré pour dérober quelque chose de très important, à mon avis. En ville, c'est presque l'état de siège. Et ça serait quoi? Aucune idée. T'es sûr que ta voix elle est brouillée, mec? Parce que... Franchement, je crois que je pourrais t'identifier, hein. Oh mais c'est pas par là, mais c'est où? Où c'est? Bref, vous n'en faites pas, quand on reprendra la vidéo, on y sera. Merci beaucoup d'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre des likes et de partager, et bye bye.